Alors, whip. L'autre, elle est tombée. C'est génial. Oh putain, il me stresse là, mais regardez. Là. Bon, egg. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis content. Ça a bien fonctionné aujourd'hui, même si lui, il vient de tomber. Heureusement que normalement, ça résiste au choc, ces petites merdes. Mais j'ai fait exprès de le faire tomber, évidemment. C'est bien connu. T'as par contre, si pendant la... Mais oh, dis donc, s'il s'envole et qu'il tombe et qu'il fait un vol plané pendant que je suis en train de voilà, et ben, il fait quoi lui? Oh non, il perd de l'eau. Ah, je vais peut-être mettre la musique. Oui, j'ai mis Tanen aujourd'hui. Et j'ai encore été obligé d'acheter des piles. C'est génial. J'adore. J'adore acheter des piles. Hein? Je vais regarder. Oh bah Kappa, ah oui c'est t'as pas travaillé, alors tu me dis que t'as pas le droit de la mettre, c'est ça? C'est bien, t'as raison. Mais aujourd'hui je l'ai pas mis. Aujourd'hui je l'ai pas mis. Et mardi, j'étais à un concert, j'étais voir Premier Sang, First Blood, pour ceux qui préfèrent. Ça s'appelle First Blood, moi ça m'a juste de dire Premier Sang. Et j'étais habillé en Deadpool pour First Blood. Je me suis foutu en déguisement de Deadpool et à un moment j'ai perdu mes clés, j'avais trop les boules. Et j'ai perdu mes clés. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'endroit le plus improbable qu'on puisse perdre ses clés en concert, sous le retour du chanteur en fait. Et je me suis fait ok avec qui? D'accord. En fait, j'avais foutu mes clés dans ma ceinture où je peux mettre mon arsenal. Et à un moment, en fait, quand j'étais en train de pisser, je me suis foutu devant le retour et j'ai été poussé vers le retour, surtout, je pense, si je me rappelle bien. Et j'ai foutu un coup de pied. Pas sur le retour, hein, derrière. Et je pense que c'est là que je l'ai perdu. Surtout que quand j'ai fait ça, j'ai levé un peu le retour. Donc je pense que c'est comme ça. Et putain, pendant les 4-5 dernières chansons, ça m'avait fait baliser. Ça me faisait chier. J'avais même enlevé ma cagoule. Et le chanteur de First Blood, il m'a appelé Spider-Man. J'étais pas content. Quand il me parlait, il me disait de remettre ma cagoule et tout. Et il y en a une, parce que c'est vrai que je devais avoir l'air à l'ouest, parce que j'étais en train de chercher mes clés. Je comprenais, et puis ça m'énervait qu'il m'appelait Spider-Man en fait. Alors, il y en a une, il m'a fait « Il te parle, hein !»« Oui, je sais, c'est bon !» Putain, il y en a, ils venaient me voir à côté, ils me demandaient si c'était un trip sadomaso. Il y en a d'autres, ils m'ont demandé si j'étais payé à faire ça. Je me disais « Non, pourquoi je serais payé à faire ça ?» M'amuser, pas le droit. Mais c'est marrant quand je le mets, les gens qui me demandent qui c'est. Il y en a, ils me demandent des fois si c'est le patron. Je dis non. Non, c'est juste un ancien employé de Twitch, mais bon. Donc, vu qu'ils savent pas ce que c'est Twitch, c'est un site de streaming de jeux vidéo. Quand je leur dis ça, ils me regardent avec une tête. Ah bon, pourquoi? Ils disent pas, mais ça se voit sur leur tête qu'ils me prennent pour un fou, quoi. Je crois que peut-être pas qu'ils me prennent pour un fou, mais ils se demandent pourquoi. Quel rapport? Et aujourd'hui, j'ai failli foutre une pancarte. Achetez-moi du pinot pour m'aider à me raser. Je vais mettre un truc, je sais plus comment je vais mettre ça. Un pinot acheté égale un rasoir. Quand j'ai pensé à ça, j'étais en train de m'arrêter comme un mongol derrière ma tête. C'est pas derrière ma main, je me suis foutu comme ça, j'étais en train de me marrer comme un débile. La swagance arrive. J'ai même pas mangé encore. J'ai faim. Nourrissez-moi s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu pour me donner à manger. Et cours le mec. Ouais, aujourd'hui j'ai pas un t-shirt de geek. Sur deux groupes. Ah bah oui, évidemment. Ah mais t'es sérieux toi? Mais qu'est-ce que tu branles là, toi, enculé? Sors. Mais ils me font chier. Dégage. Mais putain, mais t'as failli y aller, enculé. Allez, dégage. Mais sœur, mais qu'est-ce qu'il est con ?
Ah bah voilà, putain. Oh, c'est pas possible. Putain. Cours, hein. J'en ai pas d'autre. Je me faisais agresser quand j'étais en train de travailler à terre. Et sur mes fantaisies, il y en avait plein à chaque fois, là. Je disais ça, mais allez, dégage. C'est allé, parce que j'ai pas peur de ce genre de truc, mais... Mais je sais pas, dans une voiture comme ça, quand t'es rentré. Mais t'es sérieux, on a une lame aussi. Mais putain, mais qu'est-ce que tu bois? Putain, mais y a un nid ou quoi? Ça se passe comment là? Allez, sors. Putain, mais. Allez, putain, sors, pauvre con. On est en train de faire sa toilette, hein, ça va, c'est la fête. Hein. Non, voilà. Putain, putain. Hein, allez, où? Bah elle est où? Je suis pas allergique hein, mais... C'est mal. Quand j'étais petit, je me faisais piquer par des abeilles, et là, tout le temps, quand je me faisais piquer, c'était là. De pute. Pas d'où ils... Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer là quand même, ces bandes de pute quoi. Putain, non, c'est globalisé. Oui, donc je disais, quand t'as un truc, j'ai pas peur de ça, mais si je sais pas, si t'es fermé dedans, tu te dis... parce que quand j'étais en train de bosser, je dégager, allez là. Des fois, je prenais des papiers, genre, je les poussais. Mais là, quand c'est dans un truc comme ça, il n'y a aucune sortie, on va dire, le truc, il peut te foncer dessus et te piquer, tu te dis, non. Et toi, tu peux pas te barrer, justement. Oh, il laboure qui? Ah, moi je laboure. Ah, il est con le mec. Et aujourd'hui c'est un jour férié. Eh ouais, on est le 15 août. Le 15 août, c'est l'heure des proutes. Oh là là, mais ferme ta gueule. Coucou. Oh, c'était un petit chinois dans une voiture. 1, 2, 3. J'ai soif. Alors si j'ai soif, qu'est-ce que je fais? Eh ben je bois pas. Ah, on a des trucs. Alors si j'ai soif, je bois évidemment. Putain, il la veut pas ma casquette aujourd'hui. Hein. Il a voulu ce matin, mais alors là. On veut pas, hein. Un placard. Ah non, c'est un anglais. Il roule à la droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Amène le rat. Je vais foncer dans l'anglais. Oui, il s'appelle Monsieur l'Anglais. Monsieur l'Anglais. L'anglais. Oh là là. À Marseille, je vends des groseilles aux abeilles. Les abeilles qui s'occupaient à vendre des melons. Aucun rapport, je sais. Mieux. À du soleil. Oh mais y a pas de nana. Oh mais y a qu'à pas. Y'a pas casquette. Un petit chat griffin. Un hameçon. Regarde-moi. J'essaie de faire Chewbacca, mais c'est pas très réussi, je pense. Oui, Chewbacca, il se fait souvent gripper par des hameçons sur la bouche. C'est bien connu. Non. Et mardi, encore concert. À Bordeaux, cette fois. Alors, si je mets anglais, ça me met espagnol. Ouais, c'est bien ça. La logique du truc. Tu mets anglais, ça te met espagnol, normal. Donc tu mets espagnol, ça te met anglais. Thank you, en deux gouttes de trip. Oui, thank you, very much. Oui, bien sûr, évidemment. Very much. Oh, il y avait un bébé dans la voiture. C'était pour manger. Je veux manger du pain. Le pain, c'est bon. Le pain. Hein?
de Trois Soleils. Eh oh, moi je l'allume. Pimentel, t'allumais? Non. Oh, tu arrêtes. Hein? D'habitude, tu t'allumes pas quand je fais ça. Pourquoi aujourd'hui tu le fais? Tu le fais quand je te demande pas. Ah, un tom-tom, tu m'emmerdes. Et en plus, elle est où, Nana? Ah, C'est la dune du Pilat là-bas. Ouais. Y'a plus de sable, j'aurais dû du Pilat. J'aurais dû du Pilat, maintenant y a des arbres. Et de l'herbe. De l'herbe. De l'herbe et des arbres. Non, je suis pas fou. Je suis pas fou, je suis folle. Nuance. Nuance gastrique. Ta gueule. Waouh. Lave. Ouais, vas-y, étouffe-toi. Et dans mon jardin, eh ben j'avais un tournesol normalement. Il me servait un petit peu de cible quand je essayais de taper avec mon pistolet de airsoft. Mais en fait, je l'aimais bien. Alors j'ai arrêté après. Et après, il y a d'autres fleurs qui ont poussé. Et maintenant, je suis triste, il est tombé à cause de la tempête. De la tempête gastronomique qu'il y a eu jeudi. Oh, je suis triste. Et mes chats, ils vont taper quand je vais rentrer. Parce que je vais pas à Biron. J'aurais été à Biron, ils auraient été contents, ils m'auraient pas tapé. Mais vu que je vais pas à Biron, ils vont me taper. Boulangerie, pâtisserie, tes petits gâteaux, à tout moment du tonto. Voilà, faut pas fumer, sinon après vous allez faire comme moi. Non, pas de manière fou. Vous allez tousser. Waouh! Wouh! Waouh! Ah non, les arbres ils sont coupés! Ils ont cassé les arbres! Ils ont fait quoi avec? Et ils ont enfoncé dans le cou des messieurs! Et des madames! Pourquoi il est tombé lui? Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire! Mais non! J'ai pas fini, j'ai pas arrivé encore! Connard! Bientôt arrivé, mais pas encore! Alors, hein, Waouh! Là, je vais écouter le deuxième Tannen 2. Ça s'appelle Déviance. La déviation. J'arrive dans 2 secondes, mais bon. Bah, les couilles. Aïe. Oh, oh non! Ça fume! Ah! Au feu, les pompiers! Ouais, c'est un anniversaire. Il y avait un ballon. Il y avait un ballon. Je suis arrivé! Mais je me garou! Garou! Et fais le loup! Ta gueule! Ah! Ouais, bon, je vais. Je vais foncer dans la voiture à ma sœur! Ah! Eh ben non, loupé! T'as eu peur, hein? Eh ben non! Et sur ce, hasta la buéchos!